Bonsoir pour moins une minute. Airbus, bonsoir à la SNECMA qui nous suit toujours très attentivement. On peut saluer également nos clients à Washington, à Bangalore, le CNES à Paris, Ariane Espace à Évry. Top, attention. À 0 moins une minute. Top, top, la dernière minute. Et bien sûr, on salue tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier sur arianespace.com. Alors, vous savez que à H0, eh bien, c'est l'allumage du moteur Vulcain, puis une phase de test. On le contrôle très rapidement. On contrôle son fonctionnement pendant quelques secondes et c'est H0 plus 7 secondes avec l'allumage des deux boosters qui, une fois allumés, ne peuvent plus s'éteindre. C'est la particularité des propergol solides. Alors, le décollage d'Ariane 5, vous savez, c'est toujours un moment formidable, vraiment une émotion exceptionnelle. Alors, profitez du spectacle, je vous retrouve dans une minute environ, à tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain. Allumage des EAP. Tous les paramètres à bord sont normaux. Eh bien, ça y est, Ariane 5 s'est envolé. Il fait encore jour en Guyane. Voici toute la puissance d'Ariane 5, une puissance, vous le voyez, tellurique, impressionnante. Le lanceur éjecte des gaz vers l'arrière et se propulse par réaction vers l'avant. Vous le savez, la propulsion par réaction dépend de deux choses, de la vitesse d'éjection des gaz par détente et accélération dans des tuyères, et cette vitesse est d'autant plus grande que la pression et la température de combustion sont élevées, et puis aussi du débit des gaz. Le débit des gaz éjectés, plus on éjecte de gaz, plus on accélère, et c'est vrai pour le moteur Vulcain, et c'est encore plus vrai pour les deux boosters, puisque chaque booster consomme 2 tonnes de propergol solide par seconde. Alors, ces deux boosters, ils assurent 90% de la puissance du lanceur à l'heure actuelle, qui développe 1200 tonnes de poussée en action. Sous vos yeux, ces magnifiques images. On arrive à suivre notre lanceur, le ciel est dégagé ici à Kourou. Et à l'intérieur de ces deux boosters, eh bien, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant qui brûle très très vite. Deux boosters réalisés en Guyane française grâce à Régulus et Europropulsion. Et tout ça, c'est formidable d'avoir un ciel bleu vraiment. On va pouvoir suivre notre lanceur, j'espère, le plus longtemps possible. Ici à Jupiter, on a un mur d'images aussi où on a la courbe de vol, mais rien ne vaut des images à l'œil nu. On va assez vite et bien se séparer des boosters, parce que ces boosters, comme ils consomment énormément de poudre à la seconde, et bien ils vont avoir consommé chacun leurs 240 tonnes de propergol solide en un peu plus de 2 minutes, et c'est exactement ce qu'on leur demande, arracher Ariane 5 à la force de gravité terrestre, lui donner son impulsion, une impulsion qu'il va falloir maintenir et amplifier. Et sous nos yeux, et bien on va sans doute pouvoir voir la séparation des deux boosters vides. On va se débarrasser de leur structure en acier, de leurs 38 tonnes de masse à vide chacun. C'est fait, je pense, on le voit à l'œil nu. Les propulseurs vides, eh bien, ils sont écartés à l'aide de fusées d'éloignement. Vous le voyez dans le bleu du ciel, il y a deux petits points. Ce sont les deux boosters sur les côtés. Et notre Ariane 5, eh bien, c'est le moteur Vulcain qu'on aperçoit, qui continue sa trajectoire.